Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous démarrons le let's play de Xenoblade Chronicle, le remaster. Alors, j'ai déjà fini le 2, que j'ai vraiment adoré. Donc, quand j'ai appris la sortie de celui-ci, j'ai pas hésité, je me le suis pris. Donc, on va pouvoir le commencer ensemble. Alors, ce sera un let's play que je ferai un petit peu de mon côté, et je poursuivrai l'histoire en vidéo, donc. Toutes les quêtes annexes, je pense que... Enfin, celles que je ferai, je les ferai de mon côté. Donc voilà, on va essayer tout ça. J'ai fait un petit test tout à l'heure. Ça marchait pas trop mal. Donc on va voir ça maintenant ensemble. Allez, on est parti. Jouer avec le bonus, bah oui, hein. Les 100 000, on les prend. Allez, c'est parti. Haruka mukashi. Kono sekai ga mada doko made ittemo hatenai umi to doko made ittemo tsukinai sora dake datta koro. Nichu no kyodai na kami ga umareta. の存亡をかけて戦い、そして、ムクロとなった。 それから、幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は 右翼の乱れに乗じて進軍た。機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな。 戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで交代。そこに最終防衛線を張るぞ。 なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの世行きだからな。ちげねえ。そいつはとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、引かなきゃ死ぬが、引けば未来は掴めない。なら掴もうぜ未来。何、俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。この命が、これ以上は貴様の体がモナドについていけん。
動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ。まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう。俺も付き合うぜ。貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さて、ダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ、バカじゃねえのか。死んじまっちゃ冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバンの野郎を取りにして適当に隙を見て。Allez, c'est enfin parti. Bon, ils ont l'air très très cool. Hein. Ils ont l'air très très classe. J'ai hâte de jouer avec eux. Donc, appuyez sur L et R pour cibler l'ennemi. Ok, hein, c'est la zone tuto. On est parti. Cibler l'ennemi, blabla, la palette. Pomme de combat pour et lancer l'attaque en appuyant sur A. Ah, okay. Alors, c'est que du Xenoblade, donc du coup... On balance que des grosses attaques en gros. Approcher l'ennemi ciblé pour attaquer automatiquement. On est en attaque automatique. D'accord, vous êtes trop loin et vous n'avez pas rempli les conditions nécessaires. Là, c'est enchantement de Monado, rend vos compagnons plus forts et l'autre inflige d'importants dégâts. On va rendre d'abord les compagnons plus forts. Ouais, tout le monde est plus fort, très bien. Alors, on est parti. Ah ouais, c'est pas mal. Ça envoie rien. Alors, on va les rendre plus forts encore une fois. On prépare la grosse attaque. Ah, diantre, il est déjà mort. Ah non! Bon, c'est pas grave, il meurt de peur, c'est très bien. On a qui l'a caillé. Ah, un gros. Et c'est reparti. Alors, tout à l'heure, je l'ai testé un petit peu. Il donnait assez flou, alors j'espère que je vais pas avoir cette image là. J'ai retravaillé un 2-3 petits trucs sur mon PC, sur ma carte d'acquisition. Mais là tout ce début est pas flou du tout. C'est après. On va retourner à la situation, à notre avantage. Ouais, je sais pas vraiment comment tu vas faire, mon vieux. Hein. Je te dis ça comme ça, mais bon. Dixon ! Alors, j'ai mis les voix en jap, hein, parce que ça a une autre gueule quand même. C'est vrai que lui, faut l'avoir avec soi. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Monka ! Mais on voit bien qu'il avait une tête de traître, lui. On les reconnaît.
Ils ont des petits sourcils. Et traîtres des petits sourcils. Le truc justifié. Ah, ça rend bien. L'intro est exceptionnelle. Un an plus tard. Ouais, c'est pas vieux. Pas une grande différence. こいつの光学系対空砲の照準に使えたはず。ダメか。完全に壊れてる。関節部分は。ひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。 69式だ! こいつの装甲、確か盾にちょうどよかったよな! ひっぺがして、持って帰れないかな! シューク! ライン! こいつ、騎士兵じゃない! コロニークライブだ! L'épée bouclier. Alors, on continue. Allons-y. Un personnage s'évanouit si l'heure de jauge de. Bah oui. Choisissez un art, et puis appuyez sur A pour confirmer. Affichez des dégâts avec la lacération dorsale. Ouais, d'accord, c'est les arts. Les points de vie. Un heal, une attaque. Choisissez qui vous fait soigner. Ok. Ah, il s'est retourné. Il s'est retourné pendant que je le frappais ou pas? Oh, j'ai pris cher, moi. Je suis en où, ça? Alors, utilisation des arts spéciaux. Les personnages sont des arts spécifiques. Les arts spéciaux sont des arts spécifiques à chaque personnage. Sélectionnez l'icône d'art spécial et appuyez sur A pour le déclencher. C'est quoi l'art spécial? Complètement rempli, ok. Alors, c'est quoi l'art spécial, c'est ça? Ah! D'accord. Ok. Alors, carapace de fer et petite carapace. On prend tout. Alors, les limites vertes vous empêchent de vous échapper. Vous devez vaincre les ennemis présents pour faire disparaître la limite, ok. Et ben, go. Ouais, l'hostilité, bon, c'est pour pouvoir prendre l'aggro.
Donc l'effet bonus, on aura une sorte d'étoile là comme ça. Ouais d'accord, 136, ok. Yeah. On a art spécial, on a s'enfuir. Ouais, c'est moins flou déjà que la dernière fois, je suis content. こんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん。でもおかげでこいつの殻取れたし、コロニーのみんなきっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから作ってくれるんだもんな。最高の武器、このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。 ダンバンのあれには叶わないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さあ、コロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ひげに。直角ひげ？モスタッシュ。怖いもんね、あの人。そういうこと。ごめんね。 防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって。さ、急ごうぜ。 Alors, suivez le chemin indiqué dans l'histoire. Oui, d'accord. Appuyez sur L pour permuter entre les modes d'affichage de la mini-carte. ZR pour afficher le guide. Ouais, on est comme dans le 2, hein. Et R pour contrôler la caméra. Donc pour faire défiler et réinitialiser. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu système. Ah oui, pour sauvegarder, ok. Sauvegarde automatique. Consulter les tutoriels. De nouveaux tutoriels sont fournis au fil de la partie. Oui, bah. Hein, et les cinématiques. Vous pouvez désormais regarder les cinématiques. En changeant les paramètres ci-dessous, vous pouvez modifier la météo, l'heure à laquelle, à quelques exceptions près, ainsi que l'équipement porté par vos personnages. Ok. Puisque les Reines ont réussi à vaincre les monstres, l'heure de rassembler les forces de défense dont Reine fait partie approche. Les deux amis décident de rentrer à la colonie 9. L'heure de rassemblement donc. Et les suivis de quête indisponibles. Suivi de quête n'est pas encore disponible. Ok. Tac tac, ok. L. On a la minimap. D'accord. C'est encore un petit peu flou, je trouve, mais ça l'est moins. Rassembler les objets de collection. Vous pouvez compiler des objets de collection que vous avez rassemblés, d'accord. Encyclopédie, ok. Il y a un truc comme ça. Attaquons ! Un peu de combat là pour voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce qu'on a autour là? Ouais, il a morflé. Est-ce que je reprends de ma vie moi d'ailleurs à la fin des combats? Ouais, on remonte, on reprend de la vie. Ah! Les trucs en l'air, comment ça marche? Je suis pas assez derrière.
certaines brisées. Et ces trucs là. On va tuer un peu de tout. Hein. On va voir un peu ce que ça donne. Hein. Oula oula oula. Oula oula oula. Alors des antennes brisées. Vous, je vous ai déjà tué. Pour l'instant, ils sont pas agressifs. Par contre, il y aura des zones où je pense où tous les mobs seront agressifs. Ah, ça y est, on arrive enfin à un endroit qui change. Ah, il y a plein de trucs bleus là. Ah mince. La colonie 9. On est au niveau des pieds donc. Ah ouais, on va voir le niveau par rapport au robot. Excellent. Zateto. Ore wa boetai honbu ni kao dasana kya na. Omae wa heiki kaihatsu kyoku no kenkyuu to ka? Un. Tsukawanai patsu utte kara ne. Il va falloir que je vende, ouais, il va falloir que je vois ça, parce que habituellement j'ai tendance à quasiment tout garder pour moi, au cas où j'en aurais besoin pour crafter et autres. Mais bon. Alors les commerces et les marchands, ouais, donc les marchands c'est ça. En débutant pour gagner de l'argent. Ok. Accepter des quêtes, appuyer sur A pour parler à un personnage avec un truc sur le dessus de la tête, ouais. Faites du troc. Faites un troc avec les personnages qui ont un nom en appuyant sur Y. Ok. Ouais, donc ça fait progresser l'histoire. L'histoire fait progresser, d'accord. Les échanges font progresser l'histoire. Ouais, je suppose que ça doit développer des quêtes, certainement. Ça y est. Il est beau, hein. Il est un peu flou. C'est dommage, mais sinon, il est très beau. Il est sorti il y a longtemps, en 2010, je crois. Alors, qu'est-ce que tu dis? Vous connaissiez la gardienne de l'entrée de quartier résidentiel? Nous sommes de bonnes amies. Elle a bien plus d'expérience que moi. Je devrais lui proposer une sortie un de ces jours. Ça devrait être sympa. Mais oui, évidemment. Voir les liens entre les personnages dans le sociogramme. Lorsque vous parlez avec un habitant nommé une zone indiquée, il intègre le sociogramme qui représente les liens entre les membres du groupe et habitants. Ok, oui, on va voir cette histoire de sociogramme. Ok, sociogramme du groupe. Ça, c'est la colonie 9. On connaît donc Dorothy. Ah, excellent. C'est une Homs. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et si on sort, je dois faire attention à ne pas trop dépenser. Je devrais peut-être vendre des matériaux pour être sûr. Vous connaissez la gardienne de l'entrée? Oui, oui, je connais. Alors, qu'est-ce que tu m'échanges, ma grande? Un échange, mais aucun problème. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut échanger? Vous pouvez échanger qu'une seule fois, un objet à la fois. Sélectionnez l'objet à échanger. Choisissez un objet dont, que vous ne souhaitez pas conserver. Procédez à l'échange. Si vous échangez un objet de grande valeur, vous obtiendrez éventuellement un objet supplémentaire en échange. Le casque de Ragnar. On recevra le... Ah oui, on sait déjà ce qu'on va recevoir, nous. Avec 2300... Il va falloir que je paye, non? On va prendre le casque, j'ai pas de casque, moi. Ah ouais, d'accord, avec ça, je peux... Je vois combien... Je vais payer avec un kiwi noir, je vais payer 2004, alors qu'avec une chaîne bleue...
Est-ce que j'ai des trucs gratos? Ouais, là, y'a rien. On va payer 2004. Ah, mais c'est ce que le kiwi noir, coûte alors. Un kiwi noir incroyablement acide et incroyablement délicieux. Parce que le casque de Ragnar, il a 2003. Le kiwi noir, 2004. Donc j'ai troqué le kiwi noir. Mais c'est pour éviter de perdre trop d'argent là. Faudra que je regarde combien j'ai de thunes. Je suis à 103 000. Bon, de toute façon, je vais changer d'équipement, donc je vais mettre le fameux casque de Ragnar. Oh, c'est moche. Ah, c'est moche. Ah oui, alors il y a l'équipement d'apparat. Avec l'équipement d'apparat, on peut changer le style. Style écru, style colonial. Et mon matos, je peux les changer. Là, je peux pas avoir de style colonial. Style de l'égard. C'est ça. Donc là j'ai style colonial, est-ce que j'ai style de l'égard là? Uniforme Hobbs. C'est cool. Alors ça c'est des bottes écrues, ça change rien. Ah non, c'est les mains ça. Écru, colonial, standard. Ouais, je vais rester comme ça. Les jambes. Pas se balader en calbut quand même. Colonial, il est bien. Le standard, il est bien. Mais standard, en fait, c'est l'uniforme. Et les bottes. Alors ça, ça va m'embêter parce que j'aime bien voir ce que font ce que j'achète sur le personnage. Les bottes, là, sont bien. Je peux me balader en pompe. Bon, allez, on va rester en style standard pour l'instant. Sans trop y croire. Est-ce que j'ai aussi... Je peux changer l'apparat pour l'arme? C'est que j'ai pas d'autres armes, d'accord. Qu'est-ce que ça change, là? Ouais, je préfère. J'ai l'air un peu moins d'un gosse, là. C'est pas mieux. C'est pas pire, c'est plus... C'est pas mal, voilà. C'est pas mal. Alors, toi, petite... Ah, mais attends. Reviens. Mon frère, quel morveux! Je lui ai dit que je voulais bien jouer avec lui, et il est parti. Je m'en fiche, je peux bien jouer toute seule. Non mais... Est-ce que t'échanges des trucs? Arrête de bouger comme ça! Ça c'est la carte. Eh mais tu vas trop vite madame. Un échange? Le haut colonial, donc je peux échanger. Je peux le récupérer. Défense physique 8. Défense éthère 12. Contre 800. On va lui filer ça. Le wasabi mielleux. Eh, je vais me stuffer comme ça en fait. Non. Alors, il me faut un peu de temps pour reprendre les... Ah ben j'avais déjà le haut colonial. Oh bah ben non, mais on s'en fout du haut colonial. Je suis déjà en colonial, ok. Ici on a quoi? Une bague de mariage. Allez, je vais avancer un petit peu. Rain a rejoint son régiment, ce qu'elle décide de ne pas se rendre au laboratoire situé dans le quartier militaire 9. De se rendre, pardon.
Ah, ici, je peux acheter n'importe quoi. Voilà une quête. Bonjour, madame. Mes petits-fils sont encore en train de se battre. Eh oui. Tous deux doivent suivre un entraînement spécial pour pouvoir gagner. Ah bon, je reconnais que c'est gênant. Tu m'étonnes. J'espère que c'est Jirok, le cadet, qui l'emportera. Ah oui, c'est normal, c'est ma chair et mon sang. Je cherche quelqu'un pour lui apporter mes biscuits. Ça l'encouragera dans son entraînement. Attends, mais c'est tous tes petits-fils qui se battent et tu veux que le cadet? Eh, mais non, c'est ça. Elle préfère que c'est le cadet. Alors, il s'entraîne la nuit dans le quartier résidentiel. D'accord, donc il faudra que je revienne la nuit. Afficher le journal des quêtes. Merci infiniment, mais mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Et j'ai même du mal à marcher jusqu'au quartier résidentiel. Ouais, mais t'es qu'une connasse, en fait. Prenez aussi quelques biscuits pour votre peine. Oui, merci. Faites en sorte que mon petit-fils reçoive tous ses biscuits. Donc déjà, les biscuits, faut pas que je les file. Un lampaïter. Faut que j'attende qu'il fasse nuit, de toute façon. Bienvenue, vous pouvez acheter et vendre n'importe quoi ici. Ouais, mais ça m'embête de vendre tout de suite. Sonia. Mon fils a cassé un souvenir de mon défunt mari. Sur le coup, je n'ai pas pu m'empêcher de lui crier dessus. Ça fait à peine un an que mon mari nous a quittés. Alors perdre en plus le seul souvenir que j'avais de lui. Qu'est-ce que tu pourrais m'échanger, toi? Un poil raid ou une soie d'arachnide? Non, on s'en fout. Merci. Notre quête. Oh non, ça bug. Je suis. Oh non, c'est moche. Ma nièce voudrait que je lui apporte quelque chose de mignon. Mais ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Pourriez-vous m'aider? Un habitant voudrait quelque chose de mignon pour sa nièce. Trouver les objets de collection demandés. Trouver deux diodes lapins dans la colonie 9. D'accord. La colonie 9. Faut que j'apprenne à parler, moi. Alors, achetez mes lampes. Et oui, c'est parfait, ça. Qualité garantie, les meilleurs de la colonie. À moitié oui, ça part vite. Ouais, bah on va voir. Et je veux bien, mais alors... Ouais, mais... Tu me proposes pas t'acheter? Acheter, mais on peut pas... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Habitant de la colonie 9. Qu'est-ce que t'es, toi? Ah oui, t'es les... Vous avez, vous, déjà vu cristaux d'éther formés sur surface? Ça, formé par haute pression et chaleur de dedans Bionis. D'accord. Avant, il y avait 5 machines dans l'artillerie mobile. Et plusieurs ont été détruites, il n'en reste plus qu'une. Ouais, je vais peut-être pas causer à tout le monde là, parce qu'on va pas s'en sortir. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, une quête. Je prends les quêtes quand même, l'Empire. Butchal, le béjonné, est sur la plage près de la batterie aérienne A. Je ne supporte pas cette bestiole à pointe. Pourriez-vous vous en occuper? Ouais. Butchal, le béjonné. À cause de lui, je n'ose même plus m'approcher de la batterie aérienne. Je compte sur vous pour vous en débarrasser. Ok, monsieur. Je vais juste aller voir à quoi consiste ce truc. Mais rien, en fait. Là-bas, donc, j'ai un vendeur. Et ça, c'est les... C'est le vendeur de lampes, alors, non? Le vendeur de lampes qui me vend pas de lampes. Ok. Bon, allez, on y va. Ha! Ha! Hé!
Salut, encore une quête. Ah mais il y a des quêtes partout. Hein. Malheur, je suis vraiment incorrigible. J'ai perdu quelque chose dont j'ai un besoin vital. Pourriez-vous m'aider à me remettre la main dessus? Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que t'as après? Trouver la clé. Ah oui. Oui, t'es un peu bon. Mais quelle saute je fais d'avoir perdu la clé de chez moi. Oui. Mon sort repose entre vos mains. C'est pas très malin, mais... Alors les points verts, c'est les gens. C'est là-haut. Est-ce que je peux monter là-haut, moi? Ouais, non, pas assez. Pour grimper là-haut, il faudrait, je sais pas. Le stand aux gemmes. Ouais, comment je vais monter là-haut? Y a pas de porte. Bon, on verra plus tard, allez. On va poursuivre un peu les quêtes. Normalement, on devrait trouver un peu tout partout. Toi, t'es un vendeur. Et toi? Il faut que je te parle. Salut à toi, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tu vois ce truc? C'est un fourneau. Quand une bestiole meurt, elle fait tomber des cristaux d'éther. Tout le monde sait ça, pas vrai? Les autres particules du corps. Bah, laisse tomber. C'est trop compliqué. Retiens juste ça. Quand des créatures meurent, elles lâchent des cristaux d'éther. Bon, maintenant, j'ai un truc important à dire. T'es prêt? Écoute bien, ce fourneau comprime les cristaux d'éther. Et il vire les impuretés. Comme ça, tu peux créer des gemmes d'éther. Hein, c'est tout l'effet que ça te fait? Ah, les gamins d'aujourd'hui, je vous jure. T'as pas l'air de bien comprendre le truc. T'as pas l'air de bien te rendre compte de la puissance du truc. Le fourneau te permet de créer des gemmes d'éther. Elles contiennent la puissance des cristaux d'éther en condensé. Elles peuvent te donner toutes sortes de pouvoirs. À la maison, comme au combat, elles sont super utiles. Tu les mets sur des armes ou des armures à des emplacements. Ah, ma parole, mais t'es complètement amorphe ou quoi? Bon, le plus simple, c'est que tu comprennes. Pour que tu comprennes, c'est d'essayer. Pour ça, il faut que tu équipes ton arme avec des gemmes. Celle que t'as là m'a l'air parfaite. Donc on a force et points de vie. Renforcer l'équipement grâce aux gemmes. Les gemmes possèdent diverses propriétés. Lorsqu'une gemme est insérée dans un emplacement d'une pièce d'équipement, cette dernière bénéficie de cette propriété. À l'écran de changement d'équipement, placez le curseur sur un équipement vide et appuyez sur A. Choisissez une gemme dont vous voulez vous équiper. Plus tard dans le jeu, vous pourrez créer des gemmes vous-même. Donc allons-y. Bah, je peux en mettre deux, donc très bien. Point de vie et force. Parfait. Donc ça, c'est les gemmes. Une quête supplémentaire encore, il y en a plein. Il y a des lapix à poigne aux abords du quartier marchand. Il ne faudrait pas qu'ils s'introduisent dans la colonie. Pourriez-vous vous en occuper? Pas de problème. Oh, merci, ça me rassure déjà. Vous savez où trouver des dents de Shiro? Ma grand-mère me rabâche sans cesse qu'elle en voudrait pour fabriquer des aiguilles, je crois. Si vous ne les trouvez pas pour moi, elle va me rendre folle. Alors on va aller chercher des dents de Shiro. Merci beaucoup. Ce sera peut-être un peu dangereux, alors prudence.
Et pourquoi t'as une autre quête encore, toi? Et où aller pulvériser quelques bernis des sables? Il va donc sur la plage, près du quartier marchand. Ouais, on va aller à la plage, c'est chouette. Petit monstre empêche les enfants de jouer sur la plage. Évidemment. Merci. Les enfants ont besoin d'un endroit pour jouer. Encore? Je me suis fait attaquer en allant vers la grotte de Trefa. Les lapix gourdins m'ont attaqué sur les plateaux de Trefa. Pourriez-vous vous occuper d'eux pour moi? Ouais, bah moi j'aimerais bien que tu prennes une petite épée et que tu te démerdes un peu. Excellent. Je vais pouvoir reprendre la route sans inquiétude. Ouais, tu parles. Ah, encore? Les sticks légers, vous connaissez, n'est-ce pas? Ils pullulent du côté de la batterie aérienne A sur la plage. Ils aiment bien s'introduire à la colonie et semer la pagaille. Et vu que je suis une feignasse, c'est pas moi qui vais les tuer. Pourriez-vous réduire un peu plus leur population? C'est vrai que vous accepteriez, mais faites attention à vous. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, enfin! Eh ben! Tu m'étonnes, mais il va faire nuit, hein. Je vais enfin pouvoir lui filer ce qu'il faut, lui. Oh, je cours bizarrement. Oh, qu'est-ce que c'est que cette course? Bon, bref, voyons un peu à quoi ressemble le jeu. Vous n'êtes pas popé, vous, j'ai l'impression. Hein. Ah, si seulement la Switch était un peu plus puissante. On aurait des choses fabuleuses. Bon, les habitants de la colonie, ils m'aident pas. Découvrir les lieux. La colonie comprend des repères, lieux importants, les zones secrètes et des sites points d'intérêt. Découvrez tous les repères et des sites d'une zone pour afficher sa carte complète. Ok. Je pense que j'ai donc dû tout voir. C'est moustache. コロニシクスとの合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことを、もう忘れたか。全ては気合が足りんからだ、気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回、貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？ 理由を言ってみろ。はっ。激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。それによりエーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが体からであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか貴様。予備のエーテルシリンダーは全て使い切っております。最充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。 Alors nous voici au quartier militaire. Il y a quelques quêtes là aussi. On va aller voir Moustache. C'est pas Moustache. Vous avez déjà croisé Magdalena l'Aquatil. Elle apparaît de nuit dans le bassin du parc de la colonie, de la colline. Il faut que quelqu'un nous en débarrasse. Bah toi par exemple. Oh là là, et les gars, personne fait rien. Merci, ne prenez pas de risques inconsidérés. Mais bon, c'est bien que je prenne toutes les quêtes parce que souvent on passe à côté, on les fait.
Ça booste l'XP, c'est très bien. Arnaud ! Reviens Arnaud, t'as un nom, tu peux troquer toi. Yosh, bonjour, oui. Pour moi, c'est le jour. Je me couche au petit matin, et je me lève en fin d'après-midi. Surtout ne prenez pas exemple sur moi. C'est des coups à vous ruiner la santé. Non, c'est par contre, c'est chiant qu'on ait la carte en même temps que l'échange, quoi. Ouais, vous êtes là pour faire du troc? Bah oui, j'aimerais bien. Ah, un sabre Holmes. Ça, ça m'intéresse. 12 et 22. Il y a 720, mais j'ai que des trucs chers, moi. Puis de filer un pissenlit. Et voilà. Une patte de la Pix. Alors, le sabre. Voyons ça. Ah bah, je peux pas l'avoir. Ah non. Je peux pas le porter, potentiellement. Quête, sociogramme, changer d'équipement. Où est-ce que je vais voir mes différents équipements, moi, affichés, effets. Sous-menu avec plus. Carte des zones, heure, quête. Objet de collection, donc c'est peut-être un objet de collection alors. Ah ouais. Ah, je peux pas le prendre. Nécessite une certaine habileté. Ah non, on sait pas. Bon, c'est pas grave, je le garde. Perrine, salut. Je veux travailler sur un sujet qui sort de l'ordinaire. Je dois trouver un domaine de personne n'a encore défriché. Vous voulez faire du troc? Allez. Une pièce brisée. Ah non, mais vaut rien votre pièce brisée là. Quand vous vendez un truc super cher. Ah voilà la fameuse épée. ディクソンさん、いつ頃にいないに戻られたんですか。ついさっきな。そんなことで。ディクソンさん、おい。モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。活動させることはできるんだな。 とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が奴以外にはまだ無理か。はい。ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのはまだ推測の域を出ていないんですが。 どうもこいつはただ鬼神兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりは さらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度が重いものを優先しろ。モヤモヤするな。ダンバンさん、そんな顔するな。まだ生きてるよ。 Qu'est-ce qu'il a dit ?
に振り回されちまった。それでもな、守ったぜ俺たちの未来。後のことはお前に。ダンバンさん。さてと、俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろう。だからそんな心機臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。Mais il est pas mort. Okiteru, Oni-chan. Ah, shokuji ka. Wazawaza motte kite kurenakute mo, yonde kurereba orite itta zo. Mucha iwanai no. Tabe sasete ageyou ka. Byounin atsukai suru na. Mou 1 nen mae to wa chigau nda. Tasuka ni ne.あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ、もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え？シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味オンチなんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。ありがとう、お兄ちゃん。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。Alors...On commande un nouveau personnage, la livraison de repas. Quête fil rouge, Fiora a préparé un petit plat pour Skull. Enfin, Sulk, pardon. J'aurais préféré Skull. Sulk, apportez-le lui avant qu'il ne soit froid. Bon, j'aime beaucoup cette histoire d'épée là. Lorsqu'une quête de l'histoire principale est en cours, un icône de destination apparaît sur la mini-carte.Lorsqu'un emplacement est marqué d'un point d'exclamation, cela signifie que vous pouvez avancer dans une quête. Elle a des couteaux, elle. Elle a des couteaux. Mais il est très joli ce jeu. Il est très chouette, effectivement. Je sens que je vais prendre plaisir à y jouer parce que cette petite histoire d'épée là, ça va être chouette. Yo!Salut, je veux un concert de hard. Ensuite, je pars en moto. Il fait nuit, par contre, j'aurais peut-être pu ramener finir une quête aussi. Ah,
な。そっか、ありがとう、ディクソンさん。ディクソン、ブルース・ディクソン。Alors, il est 19h23, il fait pas minuit non plus. Hein. Faut que je passe pas par là. Faut que je regarde la carte d'ailleurs, oui. Toc-toc. Alors, ça, c'est les quêtes. Allons-y. Bon, il y a des choses à récupérer. Allez, je vais avancer encore un tout petit peu. Et après, je vais y aller. Je vais attendre qu'elle rejoigne Sulk. Comme ça, à deux, ça sera quand même plus simple pour faire les combats. Parce qu'effectivement, tout ce que je dois récupérer est là. Tout ce que je dois tuer est ici. Allez, Sulk. Où es-tu? Là, ça me plaît bien, effectivement. Il me plaît bien, ce jeu. C'est vrai que c'est plaisant, en ce moment, de revoir tous les jeux sortis sur les vieilles consoles remasterisés. Parce que c'est plein de jeux que j'avais loupés, moi. Et refaire, maintenant, c'est un plaisir. Et même ceux qu'on avait fait d'ailleurs, les refaire en plus joli, c'est un peu l'avantage de la 3D en fait. Un jeu en 2D, faut tout recommencer, un jeu en 3D, bon. Un peu cher par contre pour des remasters, mais bon. Monado. Haruka mukashi, bokura no sumu kono kyoshin kai no kami ga furutte ita to tsutaeraleru ken. Ano ken ni wa himitsu ga aru. Dakara koso, Danban-san wa are hodo ni kishin-hei o taoshi, soshite migi ude no jiyu o ushinatta. Ano chikara no himitsu o toki akasu koto ga dekitara. Shireku. Fiorin. Oishi yo kore. Sugoku oishi. Honto ni? Sugoku oishi. Maa, mainichi sore nan da mon na. Sou kana. Itsumo oishi kedo, kyou wa sugoku oishi yo. Honto ni? Un. Yokatta. Kyou wa tokusei no spice tsukatta nan da mon. これでいつも通りだったら本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだからえうん、なんでもないうん、忘れていたな、この感じここってこんなに静かだったんだスルクいっつもラインといるんだもん騒がしいのはそのせいよかもしれないほんとに静かこれから先もずっとこんな日が続けばいいのにほう巨神の落とし物最近は減ってたのにねあべスパーティクス次が落ちてくるかもしれないここは迎撃対象区域外だから研究棟に帰ろう。C'est un peu super dangereux, mais c'est pratique.
Grâce au mélange d'épices spéciales, est-ce qu'elle a dit que c'était encore meilleur que d'habitude? Eh oui. Communiquez avec les membres de la formation. Vous pouvez lancer un cri d'entraide à un membre de la formation pour l'encourager ou l'aider selon le déroulement du combat. Donc avec B. Approchez-vous du membre de la formation, appuyez sur B. Ah, donc c'est quand il est en train de mourir, quoi. BT Water et cette action permet de renforcer les liens entre les personnages, d'accord. Discussion tête à tête. Lorsque l'entente entre les membres du groupe a atteint un certain niveau, ils peuvent se retrouver en tête à tête. L'icône main serrée indique un tête à tête potentiel. La première icône main serrée à découvrir se trouve au parc de la colline. Le tutoriel tête à tête suite vous fournira des explications détaillées. Changer de meneur de formation, d'accord. Ok. Ah oui, j'ai changé de meneur. Bah, dis donc. Il y a un héros là. Oh. J'ai même pas lu en plus que je vais. Ça c'est toutes mes quêtes. Ça c'est la course automatique. Ah, on est une course automatique, ok. On a des TP. L'autre icône est là, tête à tête. Consultez les détails de tête à tête. Un jour dans le parc. Iskull, tu te souviens de cette fois où, quand nous étions enfants, nous avons fait une nuit blanche? Je t'avais invité. Tu t'en souviens pas, hein? Merde. Depuis quand tu m'invites, toi, au juste? Ah, oui. Dommage. Je viens de me disputer avec Dunban. Oui, ça me revient maintenant. Oh, t'as foiré le coup, mon vieux. Si je me souviens bien, Dunban m'a grondé, moi aussi. Ah non, oui, c'est ça. Oh non, tu te souviens de ça? Tu voudrais pas l'effacer de ta mémoire? J'ai trop honte. Désolé, Fiora. J'ai pas pu résister. J'étais content que tu dises ça. Est-ce qu'elle ne parle plus de ça maintenant? N'a pas oublié. Oh, Skull. Ah, Sulk. On va l'appeler Skull parce que. Sulk, je trouve que ça se dit pas. Les pieds dans le plat. D'accord. Donc, j'avais dit que je changerais de meneur et j'ai pas lu comment faire. J'ai été trop vite. Alors, objet de sélection, quête, heure, date, zone, groupe. Voilà. Gérer les membres de groupe. Voilà. Allez, on est reparti. Petit biscuit amer, on va aller faire les petites quêtes et puis je vais arrêter là. Alors pas toi, parce qu'il y a plein de mobs à tuer encore. Ils sont là-haut? Non, ils sont en bas. Ils sont là-haut, mais j'y vais comment, moi, là-haut? À moins que ça soit plus bas. Non, ça doit être plus bas. Ah, ils étaient sur la plage.
plage est là. Il y a peut-être moyen d'y aller ici. Bon, ici, il y a des trucs déjà. Ah, j'aurais pu appuyer... C'est quoi ça? Feinte latérale. Ah, si je me mets pas derrière déjà, c'est pas mal. Pourquoi t'es bleu toi? Ah mais B, oh là là. J'oublie à chaque fois. Alors, les dents de Shiro. C'est quoi ça là-bas? J'ai pas été voir. Onde tranchante, déséquilibre les ennemis. On va aller voir là sur cette plage. Ah lui il y a. Méfiez-vous des ennemis uniques. Les ennemis uniques sont beaucoup plus puissants que les autres ennemis. Si vous y venez à bout d'un ennemi unique, vous recevrez des objets spéciaux. Ouais, on y va quand même. Voilà, voilà. Ouais. Ouf. Ah, cassons-nous. Elle est morte. Ah, je suis niveau 5. C'est ça que j'aurais dû regarder. Bon, il m'a lâché. Est-ce qu'elle revient? Et je suis niveau 5 aussi en plus. Oh. Bon, il attaque pas à vue, c'est déjà ça. Je suis désolé, on va se venger sur vous, les gars. Que je sois plus solide avec elle là. Regarde pas la con elle. C'est un DPS elle aussi. Niveau 5 aussi hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Au niveau de mes quêtes là, on était où? C'est toute faite.
Lapis à poignée, je les ai pas vus. Vernidé, ça vient là-bas. Je suis pas au bon endroit en fait. Je suis pas du tout au bon endroit. Parler d'Anchiro là. Là j'ai lui à tuer mais j'y arriverai pas, pas maintenant. Mon fou, je vous attaque, mais en fait c'est pas vous qu'il faut attaquer. Et toutes les quêtes ont l'air d'être faites là-haut. Je vais retourner là-bas. Donc on pouvait TP, je vais voir ça. Ça c'est l'entrée principale. Ouais, on peut. Donc je peux aller au parc de la... d'ici, mais... je peux pas aller plus haut. Parce que tous les mobs sont là-haut, comment j'y vais moi? Moi qu'ils soient plus bas alors? Ah oui, d'accord. Et comment j'irai plus bas? Si je saute, je meurs là. On va passer par là? Tiens, on peut usager un petit truc là. TTT n'est pas disponible, d'accord. Bon, ça dépend avec qui on y va en fait. Ah oui, lui, je dois lui filer les biscuits, non? Konnichiwa. Konnichiwa, j'ai agarré un outil indispensable. Je vais... Que vais-je bien pouvoir faire? Je ne peux plus gagner mon pain dans ces conditions. Accepteriez-vous de m'aider à le retrouver? Eh oui, évidemment. On va faire une chandelle. Bah, attends, je dépends. Hein. Il est où l'autre? Il est là. Il serait plus bas? Ici. La quête terminée, ouais, mais j'ai pas été le rendre. Il n'y a pas l'air d'avoir besoin de les rendre. Levé du jour. Yosh. Auriez-vous un œuf non fécondé sur vous par hasard? Bah, bien évidemment. J'aimerais bien aller du côté par là, là mais tu vois, on ira peut-être un peu plus tard, donc je vais finir la quête ici, puis après je vais arrêter tranquillement. Eh, c'est des jeux longs, hein. C'est des jeux... je suis pas prêt de le finir celui-ci, surtout que je joue pas beaucoup à chaque fois. Je pense que je vais me pencher dessus des soirées complètes. Ce sera plus simple. J'ai perdu objet de grande valeur, mon alliance. Eh, mais je l'avais trouvé, ton alliance. Yatta. Une quête supplémentaire encore? Eh ben. Des flamis du lac rôdent près de la partie aérienne A. Vous ne voudriez pas vous tuer quelques-uns, on n'aime pas vouloir. Blabla. Ils risqueraient de les endommager.
Vous les trouverez sur la plage. Mais il faudrait que j'y aille sur cette fameuse plage là. Merci du coup de main. Il y en a d'autres. Encore ? Ah, voudriez-vous tuer tous les monstres ? Parce que nous, on n'a pas envie. On est des feignasses et donc... si vous les tuez pas, vous montrez pas en level. Et vu qu'il va falloir grinder certainement pour pouvoir tuer certains boss, il faudrait vous y mettre, quoi. Ah, toi aussi. Il faut des petites carapaces, j'en ai déjà une. Tiens, voilà notre pote. Oula, lui. Lime ? Lime ? Qu'est-ce que tu fais ? Shuruk ? Ah, y'a... C'est... Oh, Rain, mais non, t'as pas le pouvoir pour toi. なんともないのか、フィオルン。うん、大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって？私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろう。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ライン、ひどいよ。すまん。頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体が痺れてる。ライン、痺れてる。モナドをしまい込んである理由、分かったろ。ああ、骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしても、モナドを人は切れないって。その円の中に書いてある模様。いや、文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが文字？ああ、この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。ほんとモナドがねえか弱いよな、アテミエラは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い敵だ。この刃、あと一歩届かなかったようだ。やめろ。おらら、il s'est passé une tonne de choses là. シュルク、ねえ、シュルク。どうしちまったんだよ。ライン、フィオル。大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時、何か見えなかった？何かって、さっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで時間が止まった。あれは、あれが見えたのは僕だけなのか。やっぱり変よ。これもモナドのせい。さあどうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん。
そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも、僕は平気だから。本当言うと、何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった？ライン。おお、そうだそうだ。あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃったから。付き合ってくんないか。懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋一千回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か。そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？うん、多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったろ。なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。あっ、切れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ。あの辺ってメルドリザドの巣窟だって聞いたけど、シュルクが怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、自分の身くらい自分で守れるって。でも。分かった、約束する。シュルクには傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて果てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。Alors, on a de nouveau changé. Je croyais qu'on serait 3, mais on n'est plus que 2. Les heures des personnages peuvent désormais être améliorées. Les personnages peuvent désormais assimiler des compétences. Ok, bon. Et bien cette fois-ci, on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur cette... sur ce joli plan là, nous et l'épée derrière, et l'autre qui tient pas debout. Allez, je vous souhaite donc à tous et à toutes une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.